Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons interviewer une ASH qui travaille actuellement à l'hôpital d'Hautepierre. Elle a accepté de nous recevoir pour répondre à nos questions. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour. Quel est votre métier ? Je suis ASH aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Depuis quand ? Depuis mars 2003. Quelles sont vos tâches journalières ? Mes tâches journalières, ça dépend des services, mais en général, je viens, je débarrasse les petits déjeuners, je fais la vaisselle et je rejoins ma collègue pour faire les chambres. Ok. Est-ce que vous arrivez à gérer votre vie de famille et votre travail ? Ma vie de famille, oui, parce que j'ai des horaires adaptés avec mes enfants et je fais un 80%, donc j'arrive à gérer en général. Bon, il y a des moments où je suis fatiguée, mais rarement, quoi. Donc vos horaires sont adaptés ? Mes horaires sont adaptés puisque je fais des horaires de journée, donc 9h-16h. Quel est votre parcours scolaire ? Mon parcours scolaire, bon, j'étais jusqu'à la troisième. Après, j'ai fait un BEP, j'étais au lycée. J'ai fait un BEP couture. Après, je suis partie travailler à l'usine pendant un an, je crois. Après, je suis allée à la clinique Bethesda. J'ai fait quelques mois et après, j'ai postulé aux USUS. Et depuis, je suis aux USUS. Est-ce que vous avez dû passer un diplôme pour accéder à votre poste ? Non, juste un courrier, une lettre de motivation. Vous n'avez jamais souhaité vous reconvertir ? C'est-à-dire ? Changer de métier ? Si. J'ai toujours voulu faire le métier d'aide-soignante depuis mes débuts à l'hôpital, évoluer dans le métier. Y a-t-il des possibilités d'évoluer dans votre métier ? Oui. Donc on a des formations à disposition par rapport à l'hôpital. Et donc en ce moment, je suis en prépa aide-soignante. Donc je passe le concours au mois d'avril et à voir. Est-ce que vous estimez que votre salaire est adapté à votre travail ? Pas toujours, parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je suis à l'hôpital et que mon salaire ne augmente pas. Et donc, je trouve que des fois, il n'est pas très adapté par rapport à mon ancienneté, quoi. Voilà. Est-ce que le dicton est vrai ? Plus on travaille, moins on est payé à l'hôpital. J'ai l'impression que oui, par rapport au dicton. Est-ce que vous aimez votre métier ? Oui, j'aime mon métier puisque ça fait 15 ans que je suis là et que voilà, que j'ai l'habitude et que maintenant c'est mon métier et je pourrais pas le changer. Est-ce que avec vos collègues, vos supérieurs, tout se passe bien ? Ça dépend des fois des collègues, mais voilà, il y a des hauts et des bas comme tout, mais ça va. En général, ça se passe bien. Et vous n'avez jamais songé à changer de travail à cause de collègues ou... Si, à l'époque, en 2003, quand j'ai commencé, ça se passait très très mal. Donc j'ai toujours voulu partir, j'en pouvais plus. Mais après, en changeant de service, en changeant de collègue, c'était autre chose. Donc après, j'ai aimé mon métier et voilà, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Mais maintenant, ça va. Bien nos questions. Et merci d'avoir accepté qu'on vous filme. On vous souhaite bonne chance pour votre concours. Merci beaucoup et avec plaisir. Et voilà, bonne continuation. Merci à vous. À vous aussi.